clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh. Salut à tous, c'est Réacodes, j'espère que ça va, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, enfin spécial façon de parler. Hein. C'est le Rookie Game, c'est l'heure du Rookie Game. On a été sélectionné pour ce rassemblement de jeunes superstars en devenir. Donc il y a l'épreuve du Rookie Game, donc il y a le match des rookies. Il y aura le Dunk Contest. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a le Dunk Contest. Et je crois même qu'il y a le concours à 3 points. On va voir ce qu'on peut y faire. Je promets pas une victoire, parce que j'ai jamais gagné dans ces épreuves. J'ai jamais gagné au Rookie Contest, au Rookie Game. J'ai jamais gagné au Dunk Contest. Et j'ai jamais gagné au tir à 3 points. Donc voilà, on va essayer, je vous promets rien. Mais voilà, c'est toujours cool de pouvoir participer à ce genre d'événement. Allez, on y va de suite. Allez, on y va, c'est parti. Magnifique bug d'intro hein, dans ce mode de jeu. Dans ce mode de jeu. Où on est dessous les supporters, ce qui est très très bien fait. Donc voilà, on va jouer avec je sais pas qui dans notre équipe. Je crois qu'il y a Rondé, Hollis Jefferson, Jaleel Okafor, Justice. On joue à Toronto, ils considèrent qu'on est encore dans la salle de l'an dernier. Puisqu'ils n'ont pas encore eu le temps de modéliser le modèle de la salle de la Nouvelle-Orléans. Alors que je suis passé devant David Aldridge pépère, au grand calme. Alors que vous pouvez le voir, je suis remplaçant, ça m'empêche pas de faire ma petite danse. Hein. Le jeu passe par moi, Kaminski il va aller... me passer la balle et allez le petit dunk pour commencer, on est tranquille, on est très très bien. En plus on dunk sur Karl Anthony Towns, le rookie de l'année. Bon allez, viens, on fait une passe décisive pour un alley-oop ou un dunk, un truc dans le genre, ce serait cool. Oh joli, la connexion du Milwaukee qui se met en marche. Bon, les 5 points d'écart là. Allez, Dragan. Dragan il prend le shoot. Dragan il met le shoot. Bien évidemment. Alors, c'est pour ça qu'il fait la passe à Kristaps. Oh là 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 là, le petit 3 points. Plutôt pas mal. J'aime bien en plus faire mon petit dribble avant, là. Petit dribble entre les jambes, tranquille. Là, c'est dommage. Je peux pas vraiment te mettre en valeur si tu joues pas comme je te le dis. Oh joli, la bonne passe. Magnifique. Tu vois, je te mets en valeur. Je te fais une passe, tu marques, je te mets en valeur. Tu vois. C'est ce qu'on appelle de l'altruisme. Je suis altruiste. Et ouais, mais je peux rien faire face à lui, là. Mais il est débile, cet arbitre, ou quoi? La passe! Tout le terrain! Qu'est-ce que tu crois, Ben Simmons? Tu peux pas défendre sur moi. Oh, jolie interception. Allez, Dragan! Ah, tu pouvais me la faire. Bon, ça va. Allez, bonne défense, là. Jaleel, il faut me la donner vite! Allez, on provoque la faute. C'est plutôt cool. Allez, on met le lancer. Bon, allez, putain, pourquoi t'as mis à chaque fois un sur deux, quoi? Alors, honnêtement, là j'ai eu du bol. Là, faut le dire, des fois t'as du bol. Bah là, j'en ai eu.
peu de vitesse dans ce jeu-là, voilà, allez, passe décisive, c'est ça qui est bon. Mais vraiment, on est vraiment en difficulté dans ce match, on est vraiment en difficulté, quoi. Mais t'as raison, mec. Ah, toi, t'es un champion du monde, toi. Putain, Jokic, t'es mon idole. Putain, heureusement que tu marques des points, hein, parce qu'en défense, tu sers à que dalle. Hein. Putain, de junkie, va. Allez, interception. Ouais, non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Bon, ça va, on marque les points. Bon, ben voilà, défaite. Défaite sur. Je sais même plus quel score il y avait. Tellement je suis dépité par ce match, quoi. Vraiment, un bon gros match de merde. Bah, ça a été une surprise. C'était une surprise, elle est nulle. Bah, et tu t'attendais à quoi, mec? T'as cru que j'étais. T'as cru que j'étais Robert Sacré ou quoi? Ça venait d'une bouteille de Gatorade. Bah ouais, t'as raison. Bah, qu'est-ce que tu crois? Bah ouais. Pff, ça pourrait être n'importe quoi, mais je crois que ça va rester un bon moment. Non, bah non, il suffit que je demande un trade et que je sois sans toi pour que ça s'arrête. Une escarbelle au mot croisé. C'est une nouvelle possibilité. Ouais, laisse-nous tranquille, là. On se casse. Vas-y, on va pas me blesser, toi, derrière, t'es ouf. Bon, allez, on continue. Je pensais qu'il y avait le concours à 3 points, finalement, non. Bon, tant mieux, hein, parce que vu les statistiques que je fais depuis le début de saison, c'est pas plus mal de pas avoir cet exercice à faire. Donc, bah, on va aller s'essayer à ce fameux concours de dunk, hein, on va se ridiculiser, je vais vraiment être pathétique, mais bon, au moins on va se marrer. Ok, c'est beau. Voilà, là, là, là. Donc vous allez voir les participants. Grande surprise. Aaron Gordon et Zach LaVine sont là. C'est surprenant. Et donc il y a Marquise Chris, donc le rookie de Phoenix qui est là. Donc il y a deux rookies et deux gars expérimentés du concours de dunk. Donc bon. Ouais. C'est pas mal. C'est pas ouf, hein, mais. Zach qui est un excellent dunker, un de mes dunkers préférés. Ah, là, c'est déjà un peu plus. Hein? Là, ça y va. Le type est sérieux. Ah, putain, je pensais qu'elle passait sous les jambes. Pas du tout en fait. Ah non, l'escroc. Voilà, en fait, il s'est planté dans son dingue, on dirait. Il s'est planté, escroc! Voleur! Vu que j'ai pas d'abonnés, j'allais pas dire avoir l'argent aux abonnés. Ouais. Ouais. Pas mal. C'est pas ouf, ouf, mais c'est pas mal. C'est presque un basique, hein. Moi, je m'en fous, je clash. Moi, je dis ça, c'est des dunks parce que je sais que de toute façon, que moi, je ferai pas beaucoup mieux et que je vais me prendre un bon gros zéro dans la gueule. Donc, je m'en fous. Là, je peux clasher, je m'en bats les couilles. Sensation de balancier, moulin avant, pas en dessous en s'accrochant. Ouais, allez, on va essayer ça. 3, 2, 1. Voilà, toi. Ah putain! Je l'avais dit! Je l'avais dit!
Je vais me planter. Pourtant, j'ai appuyé, hein, mais non, non, moi, il me le reconnaît jamais. Tant pis. Par contre, ton short, tu l'as un peu déchiré, mec. C'est pas cool. Tu pourrais être un peu plus présentable. Donc moi, j'ai zéro. Voilà, la bulle. Je l'avais dit. J'ai la bulle. Dunk à l'aveugle, tel D. Brown à l'époque. Le problème, c'est que tu peux pas t'entraîner en fait. Il n'y a pas de mode d'entraînement. Tu vois, avant, dans le menu, tu peux pas t'entraîner, c'est la merde. Ouais, 40. Allez, Zach. T'as fait 47 avec un dunk d'escroc. Ah, là, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très élégant. Petit moulin avant. Une main. Finition une main. Pas mal, pas mal. Là, franchement, faut le dire, pas mal, pas mal. 39? Mais ils sont, moi je comprends. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le... Ouais, moulin avant pareil, non. Pas, pas. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Moi je vais jamais le réussir, donc je m'en fous. Bon, vous êtes prêts à me voir échouer une seconde fois? Par-dessous, dunk, berceau sous le panier, touche dans le dos. Bon, je m'en fous, de toute façon, moi je vais le rater. Bon, moi j'aurais eu le mérite d'essayer. Voilà. J'appuie trop tôt. Allez, ça fait la bulle. Pas content. Ah, là pas mal. Là il y a du beau. Là c'est pas mal du tout. Ouais. Ouais, pas mal. Franchement c'est pas mal. Entre les jambes d'un carrière. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Voilà, bah non, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Tu peux pas avoir 40 avec ça. Il nous a refait une Deep Round. Alors tout à l'heure, je crois que c'était Gordon qui avait fait ça. Mais ouais, mais bon, là non. En plus, on le voit, tu vois, connard. Escroc. Dunk avec un coéquipier. Ouais, pas mal, pas mal. Dragon Bender. Petit lancer sur la planche. Finition arrière. On peut dire que c'est arrière, hein, même si c'est. Ça semblait plus être sur le côté, c'est quand même une finition arrière. Pas mal. Allez, vous voulez l'avoir la troisième bulle? Allez, c'est parti. Bon, on va faire un truc simple, hein. Je vais me prendre encore une bulle, mais c'est pas grave. Oh, je l'ai mis! Bon, je vais avoir zéro, mais au moins je l'ai mis! Ah, j'aurais dû tenter ça depuis le début. Bon, par contre, c'est un dunk de merde, hein. On est d'accord, hein. C'est un dunk de merde. Non, mais sérieux, que pourquoi ils m'inscrivent dans le concours de dunk? Ça y est, j'ai mis 3 dunks en match et. J'ai un score de 18! Oh, c'est un Rand Gordon qui gagne! Oh! Putain, j'ai un score de 18, quoi. S'il te plaît. S'il te honte, quoi. Aïe. Oh, putain, mon pied. Ah là 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 là. Ah, ça aurait été nul, hein. Oh, ça aurait été nul. On se sera bien marré, mais ça aurait été nul, hein. Donc voilà, cet épisode va se terminer sur ce fiasco au Dunk Contest, hein, je vous avais prévenu.
Or que j'ai deux petits messages à regarder avant Magic. Ah, Magic, qu'est-ce que tu veux? Je pensais faire venir quelques personnes dans 2 jours. Voir le calendrier. Il y a des gens qui veulent rentrer chez moi ou quoi? À quelle heure y a-t-il? 5 p.m. J'ai quoi à 5 p.m.? Ah ok, ouais, je serai là, t'inquiète Magic. Pas de soucis. Je suis content que t'aies dit oui, je te recontacte bientôt avec plus de détails. T'inquiète Moret, pas de soucis. Je vois que Stan a un événement le 19 ouais, mars. Ouais, bah, c'est cool. On va récupérer un peu des sous. C'est cool! Donc voilà, on va se quitter. Ouais, on va se quitter maintenant hein, sur cet échec. Et je vous dis, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!